Bonjour. J'aimerais bien faire le multi-pitch parce que je trouve que c'est très intéressant. Je crois que je n'aurai pas peur. J'ai regardé les vidéos et je crois que ce serait une très belle expérience d'essayer. Nos conocimos con Milena a través de EB hace ya unos años, no me acuerdo cuántos. Ella, bueno, claro, típico de esta vez es alzada y ahora es un poquito más alta, pero súper motivada, muy buena escaladora. La llevamos a hacer su primera vía larga. Je m'appelle Milena, j'ai 12 ans. Dans peu de temps, je vais avoir 13. J'ai commencé à grimper avec 5 ans dans un parc d'aventure et j'ai bien aimé. Et depuis, j'ai jamais arrêté de grimper. Normalement, je grimpe en salle. Mais aujourd'hui, ça a été une petite exception. Je suis très contente de pouvoir faire mon premier multi-pitch parce que c'est une expérience que j'ai jamais faite dans toute ma vie et je crois que ça sera très agréable de pouvoir le faire pour la première fois. Vale? Sí. Venga, va. Perfecto. Sí. Pues vamos. Gracias. Ella irá, bueno, montando el primer largo, poniendo las cintas. Cuando llegue a reunión, ¿vale? Ella montará toda la reunión, comprobará que todo esté bien y entonces nos avisará. Donde hay como blanco, ¿no? Sí, o marrón, ¿sabes? Ahí, o sea, ahora va a hacer otra ah, barriga. Vale. Pues la de después. Ahí, hay, vale. Hay como una cuevecita. Sí. Ahí la primera reunión. Vale, Bru, libre. Milena comienza a escalar. Son dos vías muy clásicas, bastante físicas, pero muy bien equipadas. Y fiesta de los bíceps, estamos más colgados en el arnés, casi en todas las reuniones.
Mientras que en Zulo de Mente hay dos reuniones que puedes estar bien y algunos que estás un poquito más cómodo que no en Fiesta de los Bíceps. C'est impressionnant, c'est des grandes tours de 200-250 mètres. Et puis il y en a une qui est bien surplombante, bien déversante, où il y a beaucoup, beaucoup d'ambiance. C'est juste magnifique. Elle est forte, elle pourra le faire, et vu qu'on est trois, il y aura toujours quelqu'un avec elle, donc c'est bien. Es muy mantenida toda la vía y luego hay la guindilla del último largo que sales por arriba con todo el patio debajo. La dernière partie, c'était un peu difficile, il y avait un passage un peu compliqué, mais j'ai réussi à le passer et après à faire la voie. Bravo! Bravo! Ah. Y la familia Eve y todo es que es una familia realmente. Aquí hemos podido llevar a un otro atleta del equipo a hacer su primera vía larga y luego pues con otros de Eve nos vamos compartiendo cosas y proyectos y con la marca de Eve en todo momento súper simpáticos con nosotros y sin ellos esto no había sido posible. L'année prochaine, j'essaierai de faire des bons résultats dans les compétitions d'Europe, en France, Autriche, etc.